de la houle temps, c'est du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon jeudi. Et bonjour, on commence la journée avec un temps qui est variable et frais. La température extérieure est à 8 degrés, celle de l'eau est à un petit 17 degrés. La marée est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 10h05 avec des coefficients de grande marée. 98 et sur cette fin du descendant, le vent est offshore avec un secteur est, il est faible, il y a un beau fort. Le plan d'eau est ridé, il reste un peu de clapot résiduel sur le large. Les phases de vagues sont lisses, la houle est agitée, multipique, longue avec 11 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest. C'est une houle qui est en train de pousser à la hausse, délivrant un déferlement régulier à la hauteur de 1m20-1m50. Série qui rentre fréquemment à 1m80 et on a des grosses séries à la hauteur de 2m. C'est pas calé ce matin, c'est une histoire de boue. Il y a des boues partout, il y a des boues au large, il y a des boues au bord. Il y a des bouts entre les deux, mais ce n'est pas des bouts qui déroulent longtemps. Donc c'est une histoire de bout. Par moment, on voit un petit pic plume qui arrive à dérouler, un peu au bord là, avant de fermer. Mais c'est quand même assez aléatoire. On a du mal à trouver un endroit qui donne, qui soit hyper motivant, parce que ce sont vraiment des bouts. Donc il y a des surfeurs qui checkent les conditions. Il y a quelques personnes à l'eau, mais j'ai vu que des débutants a priori déjà dans les mousses ce matin. Il y a des bouts à attraper. La barre est facile à franchir aux accalmies avec la marée qui est basse, là, c'est tranquille. Les vagues sont pas particulièrement sélectives, c'est mou. Mais il y a quand même de la taille avec 2 mètres sur les gros 7 et des vagues qui sont agitées. Vous voyez au large, là, on voit quelques bouts. Mais la série qui arrive derrière, je sais pas si on va la voir, là. Si je crois, elle décale gavée sur le sud et elle va rentrer. Vous voyez là, hop, le, qui arrive sur le côté gauche de l'écran. C'est pas au même endroit que la vague qui était précédemment sur le côté droit de l'écran. Donc il y a des bouts, mais c'est pas fou. Un petit 5 sur 10 note LSI. Petit 5 sur 10. Hein. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va être en légère hausse à la mi-journée, qui va se maintenir ce soir, car à minuit, la boue Arcachon-Gascogne était à 2,80 et 7 secondes, et depuis minuit jusqu'à maintenant, elle pousse encore à la hausse. 3 mètres, 3 mètres 30, 3 mètres 50 et 7 secondes. Donc ça va pas se calmer. Pour ce qui est du vent, il va rester offshore. Les prévisions à 13h, c'est 1,50 m à 2 m en légère hausse. Il devrait y avoir le 2 m plus établi. Houle ouest-nord-ouest à nord-ouest en seconde de période. Vent est-nord-est à de Beaufort. Et à 17h, encore 1,50 m à 2 m stationnaire. Houle ouest-nord-ouest à nord-ouest, 10 secondes de période. Vent de nord-nord-est à 2-3 Beaufort. Il y a des vagues toute la journée, mais sans doute que le meilleur créneau, ça sera la marée haute avec ses gros coefs. On aura des vagues molles en pic court qui devraient ouvrir beaucoup plus que ce matin. À la Cano, prochain point, 11h30. Là où l'on